territoire, sa géographie, enfin, c'est des données entrantes avec lesquelles on ne peut pas faire sans. Enfin, je veux dire, on ne peut pas être pertinent si on ne prend pas ça en compte, c'est le socle en fait. Et en même temps, le territoire, c'est forcément la société qui le vit. Enfin, un territoire désert, en tout cas en termes d'urbanisme, d'aménagement, il n'y a pas d'enjeu, ça vit tout seul en fait. Il n'y a pas besoin de réflexion, il n'y a pas besoin d'accompagnement. Alors que c'est quand il y a de la vie que l'urbanisme et l'aménagement, je pense que c'est ça, c'est organiser effectivement la société, le lieu de vie de la population, c'est aussi se fixer des objectifs, c'est accompagner l'évolution perpétuelle de la société. Et donc le territoire, pour moi, c'est indissociable de à la fois la société qui le vit et qui se l'approprie et qui le transforme, et le territoire, le fondement. Parce qu'on ne peut pas faire des choses hors sol. Enfin, en tout cas, on voit bien que ça ne marche pas quand on essaye. Donc pour moi, c'est imbriqué, on ne peut pas faire sans. Historiquement, l'activité, elle est liée, l'activité, les flux humains, la manière dont s'approprie le territoire, c'est lié à sa géographie. À la base, c'est comme ça que les territoires se sont construits. Donc dire qu'aujourd'hui, on est complètement coupé d'un territoire, je pense que ce serait une erreur, puisque ce serait faire fi des problèmes de risques, des problèmes d'identité d'un territoire. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'on a essayé de se couper et que sur beaucoup de territoires, en France en particulier, après, lorsqu'on est dans des échelles autres, sur des métropoles, etc., on a plus cet affect-là. Mais sur des territoires, on ne peut même pas dire ruraux, parce que des territoires urbains, je veux dire, quand on est toulonnais, on se sent toulonnais, on apprécie la géographie toulonnaise, avec le Faron, la mer, ça fait partie de l'identité. Donc ça, je pense qu'il faut, on ne peut pas en faire fi, il faut vraiment que ça entre en compte. Et dire, on est sur notre territoire, qu'est-ce qui fait la valeur de notre territoire? C'est son paysage, c'est la manière dont il s'est construit, c'est aussi son histoire et son patrimoine. Je pense qu'il faut repartir de la base. C'est-à-dire que la base d'un territoire, c'est son socle géographique. J'entends par là son environnement général, ses composantes naturelles, environnementales, etc. Et puis après, c'est ce que l'homme en a fait. Mais ça vient après, ça vient dans un second temps. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est-à-dire que dans la manière dont on s'est développé, dont les villes se sont développées, on a, au fur et à mesure, fait fi de ce socle naturel pour développer des modèles relativement indifférenciés. Et c'est, pour moi, l'une des grandes erreurs du développement urbain, du développement territorial des dernières années. Donc avant tout, ce qui caractérise un territoire, à mon sens, c'est bien son socle naturel. Les activités anthropiques aujourd'hui l'ont forcément modifié, on doit en tenir compte et on ne peut pas faire fi de ça, mais pour autant, l'initial, c'est le socle naturel et les composantes géographiques. Moi, j'ai une sensibilité du site en lui-même et quelque part, je nous vois, on va dire que l'activité humaine vient toujours en second rang. Alors certes, elle va transformer le territoire, mais quelque part, on est des occupants. On n'est pas la nature première du lieu. Et du coup, vraiment, la ligne d'écriture pour moi des projets doit toujours être le site en lui-même, envisager des activités humaines qui viennent se greffer et s'insérer le plus harmonieusement et presque avec humilité quelque part dans le site. Donc pour moi, c'est toujours vraiment la donnée physique qui prévaut quand j'aborde un site en premier. Ça s'intéresse plutôt aux hommes, c'est-à-dire à la société qui compose un territoire. Donc pour moi, un territoire, c'est effectivement des relations sociales, économiques, culturelles. C'est un fonctionnement de la société au sein de ce territoire. Donc la géographie a effectivement un rôle important à jouer là-dessus. Mais pour moi, un territoire, c'est un modèle presque de, en tout cas, une typologie de société. C'est-à-dire que parfois, j'ai l'impression qu'il y a de plus grandes différences culturelles ou des plus grandes différences entre des territoires, par exemple, entre un territoire métropolitain et un territoire plutôt rural qui sont finalement très proches géographiquement. Alors qu'on le voit finalement culturellement entre plusieurs plusieurs villes, on va trouver plein de similitudes. Et donc, finalement, c'est peut-être
à mon sens, c'est ça qui fait territoire, c'est le fonctionnement, les caractéristiques sociales de ce territoire. La population et les échanges qu'il y a sur ce territoire-là, parce que j'ai en tout cas envie de croire à ça. Je ne fais pas une réponse intellectuellement fondée, mais en tout cas, moi, j'ai envie, dans ma pratique au quotidien, de penser que le territoire, il est fait par sa population et par ses échanges. Après, évidemment, je suis géographe de formation, donc j'oublie pas que, évidemment, il y a des caractéristiques physiques. Mais non, enfin, moi, ma réponse, elle est la population et surtout les échanges. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui de la crise sanitaire, c'est que ces échanges sont mis à mal. Alors moi, en fait, ce que je dirais, c'est déjà, il y a le site et la situation. Le site, donc, c'est un point géographique. Chaque point est inégal. Ça nous posera des problèmes après. Parce que, par exemple, quand on voit les dispositifs Action Cœur de Ville, où finalement, on a un dispositif qui lisse les inégalités territoriales et lisse les différentes trajectoires, en fait, mais qu'elles soient économiques, humaines, sociales, on se retrouve avec du top-down descendant qui fait penser qu'il n'y a qu'une seule solution. J'ai envie de dire, en France, on n'a plus aucun territoire qui est le résultant simplement de sa géographie physique. Alors, c'est là où j'ai envie de dire notre savoir-faire, notre compétence doit arriver, c'est que la géographie physique va expliquer des choix qui ont été faits par le passé. On le voit actuellement, c'est des choix que des fois, on doit rappeler aux élus, ils sont un peu oubliés ces dernières années. On prend pas très loin d'ici, on prend l'exemple des inondations qu'il y a eu dans les vallées des Alpes-Maritimes. On voit bien que certaines constructions, qui s'expliquent aussi à un moment, on a eu besoin de loger des gens, on ne pouvait plus faire comme avant, mais à l'arrivée, la résultante. Et là, notre travail, c'est de mélanger tout ça. C'est de faire comprendre que le territoire, c'est une résultante aussi de sa géographie physique. À des moments, on n'a pas pu le construire n'importe comment parce qu'il y a eu des contraintes physiques. Alors, on essaie de plus en plus à les rogner par des artefacts techniques, mais on voit bien qu'il y a des limites. Et après, il y a aussi les hommes qui ont conçu ces territoires. On peut prendre l'exemple de territoires. Certains territoires sont marquants dans ma carrière. On se dit, ce territoire, ils ont tout compris. Alors certes, ils étaient bénis des dieux, et souvent c'est pas eux, c'est pas ceux qui au départ avaient le plus de chance entre un routier qui est bien placé, etc. C'est plutôt, à un moment aussi, c'est la question des hommes qui ont conçu ces territoires, qui ont mené la réflexion, qui ont fait ce qu'on était en train de discuter tout à l'heure, sur la capacité aussi à prendre du recul, à mener, à se servir de ce qu'on va leur amener pour décider et se dire, je mise pas sur le lendemain, mais je mise sur le lendemain. C'est un tout. Ce qui caractérise vraiment un territoire, pour moi, c'est l'ensemble. C'est-à-dire un territoire ne peut pas exister sans économie, il ne peut pas exister sans végétal, sans espace public, sans traiter la mobilité. Pour moi, c'est vraiment pluridisciplinaire et c'est en ça que c'est complexe. C'est-à-dire qu'il faut à la fois construire pour loger de nouvelles personnes, il faut à la fois leur permettre de se déplacer, il faut à la fois leur permettre d'aller travailler dans un périmètre géographique réduit pour pouvoir traiter la mobilité, leur permettre de se développer pas seulement dans le travail, mais également dans leur vie personnelle. Moi, récemment, je suis père, la vie extérieure prend tout son sens. Les nouveaux aménagements, les parcs, le végétal, c'est très important. Et pour moi, c'est ça qui caractérise, c'est un peu le travail sur toutes les thématiques, sans en oublier aucune, en étant le plus pragmatique possible. C'est un tout. C'est un tout, je dirais même qu'il y a aussi son histoire qui joue une part importante. Bien sûr, je pense que c'est sa géographie, la manière dont le territoire se positionne, se construit et est représenté dans sa géographie. Je pense que c'est aussi des sociétés, c'est des gens qui l'habitent, c'est des gens qui pratiquent le territoire et qui construisent une identité. Mais pour moi, c'est un tout et l'histoire des territoires, elle est aussi beaucoup liée à la manière dont ils fonctionnent et à la définition d'un territoire, puisqu'on le voit à géographie égale, en territoire, on n'a pas du tout les mêmes fonctions et la même identité. Donc je pense que c'est un mélange de ces ensembles-là. En fonction du territoire sur lequel on travaille, on va s'axer davantage mais c'est une porte d'entrée, c'est simplement une porte d'entrée. On aura toujours à parler de l'intégralité de ces thèmes-là. On fait le territoire pour les gens, avant tout, mais on ne peut pas s'émanciper de ce qu'il est, de sa capacité, de sa géographie, effectivement, physique, des fonds de vallée, des cours d'eau, etc., qu'on construit simplement les villes, simplement sur un besoin factuel d'aller chercher de l'eau potable à un instant T, en fait. Et je pense qu'il faut qu'on se raccroche à cette implicité-là dans l'exercice de notre quotidien. Et pour moi, il faut repartir de la terre. Donc on va dire
J'aurais tendance à repartir d'une géographie physique systématiquement pour aboutir à une géographie humaine et sociale et pour à reconfigurer les choses. Donc j'aurais tendance à penser plutôt les choses dans cet ordre-là. Et je pense qu'on a trop pensé jusqu'à présent à l'homme et uniquement à la dimension très anthropique des choses et certainement pas assez dans un système plus global, environnemental, écologique. Et c'est tout l'enjeu maintenant de nos métiers. Milieu naturel, c'est pour moi la base, c'est ce qu'on va regarder en premier, c'est ce qui fonde effectivement une partie du territoire et c'est nous ce qu'on va regarder aussi pour essayer de construire un projet intelligent. La deuxième ressource importante pour moi et qui, je pense, va l'être de plus en plus et ça va être un gros sujet, ça va être des gros enjeux demain, je pense, c'est la ressource en eau. Je pense que ça, il va falloir qu'on pense l'aménagement de plus en plus avec cette entrée-là parce qu'on sait que demain, la répartition de la ressource va être complètement bouleversée. On sait qu'avec le changement climatique, ça va, le fonctionnement va être vraiment complètement différent et que du coup, je pense, on va devoir repenser aussi, nous, l'aménagement pour intégrer cet enjeu-là. Et ensuite, l'autre ressource pour moi, c'est l'humain. Parce que c'est l'humain qui vit le territoire, qui vit dedans, qui vit avec, qui le transforme. La première, c'est la dimension quand même politique. Je me raccroche avant tout à l'élu. Il est là, il est volontaire, il est impliqué, il a choisi de s'engager. C'est être élu local, c'est un engagement fort, impliquant. C'est des gens qui ont souvent beaucoup de valeurs, qui savent très bien parler de leur territoire. Et surtout qui étaient là avant nous, ils sont plus experts que nous. Donc je me raccroche dans un premier temps à la dimension politique, enfin en tout cas à la ressource politique, et c'est souvent des gens qui sont en plus de plus en plus techniciens, donc on arrive à avoir un dialogue où on se comprend de plus en plus, on arrive à pousser les réflexions. L'autre ressource, c'est toujours une ressource humaine, c'est les autres experts du territoire, les regards croisés, ce qu'on appelle chez... voilà, les personnes publiques associées, ou les partenaires, le CAUE, les architectes, etc. Et puis la ressource, c'est le terrain, c'est d'aller tout de suite sur le terrain et de faire en sorte de croiser à l'occasion d'une balade des gens et de discuter. Souvent, mon terrain est rarement, dissocié de cette phase où je vais à la simplement parler avec la personne qui tient le bar PMU, prendre à l'occasion d'un café, et voir ce que lui vit et comment il vit. Donc, c'est une ressource extrêmement humaine, avant tout. Et après, je mets des chiffres, je mets des stats, je donne de l'objectivité. La biodiversité, son état initial, et qu'est-ce qu'on peut y apporter sans fondamentalement le faire muter ou le transformer, c'est-à-dire trouver partie de ses atouts pour l'améliorer, quoi. Donc moi je dirais effectivement le végétal et après je dirais également l'énergie parce que c'est un impact très fort sur les territoires. La première, c'est l'eau. C'est pour moi la première porte d'entrée. Après, c'est aussi spécifique à notre agence parce qu'on a beaucoup de territoires littoraux, donc nécessairement la question de la qualité de l'eau a un impact prégnant, que ce soit en amont comme en aval, hein, mais voilà, c'est un point fort. L'autre élément chez nous qui est très important, c'est le bois, le boucage, les boisements, etc. C'est aussi lié à nos territoires, je pense. Je ne sais pas si vous fonctionnez tout à fait de la même manière ici. Nous, on sera beaucoup moins impactés par les éléments tels que le relief, par exemple. Mais c'est vrai que la porte d'entrée, très souvent, c'est ça. Et puis, c'est des éléments qui sont aujourd'hui un peu sous-estimés sur les projets, c'est-à-dire que la capacité en eau dans toutes ses formes, hein, gestion de l'eau pluviale, de l'assainissement, etc. C'est un sujet de l'eau potable aussi, c'est un sujet qu'on a très souvent un peu éludé et on se rend compte que cette ressource est plus que certaines autres sous tension et qu'on a un réel rôle de conseil sur cette dimension-là. Chez nous, il y a toute la question aussi du bocage qui est quand même un élément identitaire et on a de nombreux projets sur lesquels on se re-questionne sur la question de la gestion de ce bocage et de la valorisation aussi éventuellement dans le cadre des énergies renouvelables.
Pour moi, il n'y a plus qu'une aujourd'hui qui compte, c'est les gens, en fait, c'est les habitants d'un territoire. Parce que on a beaucoup traité différentes thématiques sur l'attractivité économique, le cadre de vie, la question du social. Enfin, on traite de plein de thématiques, je trouve, aujourd'hui, dans notre profession. Et on oublie, je pense qu'on oublie véritablement l'humain, au sens. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un projet qui est pour des humains, mais on le fait souvent sans les humains qui vont avec. Déjà, quand j'arrive sur une nouvelle mission, je vais regarder un petit peu comment fonctionne le territoire de manière chiffrée. Ça va être mon premier réflexe, parce que c'est le réflexe le plus facile pour voir les tendances du territoire. Mais ça, je dirais que c'est un tout petit morceau qui permet de comprendre le territoire. Les premiers échanges avec les acteurs et les premiers moments où on se rend sur le territoire, je pense que ça aide vraiment à mieux cerner comment ils fonctionnent. Il y a une partie de terrain qui permet de nous de se faire une idée, mais plutôt du coup de sa géographie, de son identité. Et après, je pense qu'il y a vraiment un volet important sur ce qui nous est raconté du territoire, ce qui nous est expliqué. Et nous, en fait, on est capable d'assimiler toutes ces données qu'on voit, qu'on entend, qu'on analyse, pour arriver à raconter le territoire nous-mêmes et avec notre regard d'urbaniste et d'aménageur. Mais je dirais que le plus gros volet, quand je commence une mission, c'est les premiers échanges que j'ai avec les acteurs du territoire. Généralement, c'est des acteurs quand même du territoire, et qui en disent beaucoup sur comment ils fonctionnent et comment ils se caractérisent. À mon sens, ça c'est la vision, j'allais dire, du vieil aménageur, les élus. Je les oublie pas, les élus, hein, les élus, mais pas forcément que les élus décisionnaires, hein, c'est-à-dire tous les élus. Et c'est là l'importance aussi dans tout le travail que l'on fait, des entretiens. C'est-à-dire qu'à un moment, les élus nous expliquent, ils vont nous dire « Ah, oh, ça fait la quatrième étude de COVID, rien n'a bougé, etc. » Mais pourquoi ça n'a pas bougé? D'où on vient, etc. Ensuite, il y a aussi, bien sûr, les techniciens en place. Alors ça, il faut se méfier, parce que d'un territoire à l'autre, on peut avoir un technicien qui est là et qui a le territoire chevillé au cœur, et qu'il a depuis longtemps, qui a une grosse expérience, et qui là, il faut faire attention parce que lui, nous le vend un peu trop son territoire. Au contraire, des gens très jeunes qui sont là que de passage et qui n'ont pas plus de connaissances que nous. Et ensuite, il y a aussi la capacité à se tourner sur tout ce qui a été produit, parce que j'ai envie de dire, on est en 2020, rares sont les territoires où on n'a pas un corpus d'études importantes, d'études, qui sont souvent alors oubliées, mis de côté. On oublie qu'il y a 10 ans, on avait fait une étude qui avait déjà donné tous les mots du territoire, sauf que cette étude, elle a été mise de côté, elle a calé un meuble, on n'en parle plus. La géographie du site, parce que la géographie, elle est physique et humaine. Donc déjà, elle nous... Voilà, ça me permet de raccourcir. Voilà. La stratégie urbaine que veut en faire l'élu, que veut donner, parce que finalement, on est dans un process démocratique, où finalement l'élu, bah, il est élu, et donc il doit à un moment donné insuffler un cap, et il doit arbitrer. Et donc du coup, c'est un peu ces deux invariants-là, plus les habitants. Qu'est-ce qu'on veut et comment on fait en sorte que demain, ce projet puisse être cohérent avec ce qui se passe déjà et comment il peut être accepté finalement. Donc il y a une valeur géographique, politique et d'acceptation qui se fait par la co-construction. L'accessibilité. Dans un sens comme dans l'autre, soit c'est un territoire qui est très accessible et du coup c'est une force puisqu'il peut drainer des populations vers lui, ou alors au contraire, c'est un territoire peu accessible mais aussi du coup qui profite qui pourrait profiter de son caractère plus isolé, de dire bah voilà, ça peut peut-être attirer d'autres populations. Mais oui, je dirais l'accessibilité, les paysages et l'emploi. Il y a sa topographie, très clairement. La topographie va édifier tout le projet qu'on peut imaginer. Alors, tout d'abord, pas dénaturer le lieu, mais il y a aussi une logique économique. C'est lutter contre la topo, c'est surenchérir les projets puisque ça va coûter extrêmement cher. La deuxième donnée qui est primordiale pour moi, c'est le fonctionnement hydraulique du site. Aujourd'hui, on voit que la logique de faire fi de comment le site fonctionne ou d'essayer de le canaliser, de le transformer, on en paie les conséquences aujourd'hui. Donc pour moi, c'est vraiment la deuxième donnée primordiale. Et ensuite, effectivement, il y a son occupation actuelle. Aujourd'hui, on intervient de moins en moins, et c'est tant mieux, sur des sites qui sont vierges. On arrive souvent sur des sites occupés,
Donc c'est voilà son aménagement, c'est là que l'humain arrive quelque part dans le site et de comprendre comment on a déjà investi ce lieu-là. Tout dépend du projet, de la commande initiale qui nous contraint en termes de marché et puis aussi de la commande politique in fine qui peut des fois vouloir qu'on valorise certains sujets et d'autres fois en passer certains sous silence parce que considérés comme trop polémiques, à tort ou à raison. Hein. Mais en tout cas, oui, c'est très variable en fonction de la commande qu'on peut avoir sur les sujets. L'idée, c'est si vraiment on est dans un processus où on essaye d'associer les gens plus que de les interroger, c'est de dire voilà le territoire, qu'est-ce que vous en pensez? On construit ensemble les problématiques. C'est vraiment avoir une approche en amont qui soit beaucoup plus large et qui soit beaucoup plus intégratrice en fait de ces éléments-là. Quand on fait un diagnostic, on n'est pas que technicien, on est aussi simple citoyen et on se demande en tout cas c'est comme ça que je le perçois, mais quand j'aborde un territoire, je me dis aussi selon les caractéristiques qui me paraissent les plus satisfaisantes ou pas satisfaisantes, mais les plus attirantes pour un territoire, est-ce que mon diagnostic il arrive à faire ressortir ça? Mais aussi parce que j'ai envie de me positionner comme simple habitant et pas forcément sous le prisme de la planification, de la technique et du métier. Heureusement, de plus en plus. Moi, j'ai vu une vraie évolution depuis que je suis arrivée chez Citadia et que je traite ces choses-là. On voit bien que la prise de conscience elle est en cours et que les maîtrises d'ouvrage se rendent bien compte qu'on ne peut pas faire sans, que sinon on ne fait pas quelque chose de pérenne et d'intelligent. Je pense qu'elles le sont de plus en plus, avec un petit bémol sur la ressource en eau, comme je le disais, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte encore. On a une espèce d'opulence avec cette ressource-là et on ne se rend pas compte à quel point ça peut être stratégique. Mais je pense que ça va venir aussi. Je pense qu'il y a des projets, notamment à l'agence, sur lesquels j'ai pu travailler de quartier, d'aménagement de quartier global, où on y arrive. C'est-à-dire où on se pose les bonnes questions, où on a des échanges très ouverts avec les donneurs d'ordre et où on arrive à faire comprendre que c'est pas simple. C'est pas un coup de crayon sur un plan, c'est pas des problématiques techniques mises les unes à côté des autres qui sont traitées. C'est vraiment une réflexion globale beaucoup plus haute que juste le projet, qu'est-ce qu'on veut, où on veut l'amener parce qu'on a des besoins identifiés. C'est vraiment sortir de ça et avoir une réflexion plus éveillée. Non, parce que nos jours aujourd'hui, notre temps, il est consacré à la formalisation, à une production. Et en fait, le métier d'urbaniste de base, c'est de créer du lien, de la relation et de mettre les choses en relation. Donc, c'est un métier de dialogue, en fait. Et on laisse assez peu de place au dialogue. Et on est trop, aujourd'hui, je trouve, ancré sur un réflexe d'expertise qui doit se formaliser, si possible, avec la statistique la plus poussée, alors qu'en réalité, c'est pas celle qui parle le mieux du territoire, ou pas toujours, en tout cas. Donc, non, elle n'est pas assez valorisée. On doit mieux la valoriser. L'idéologie, tout ça, de dire le respect du site, etc., tout le monde est d'accord jusqu'au moment où on commence à comprendre que c'est contraignant. Donc on affiche souvent qu'effectivement il faut tout respecter, mais quand on commence à expliquer que vous n'allez pas pouvoir aménager un tiers de ce terrain-là parce que pour son fonctionnement hydraulique on ne peut pas, évidemment ça a un coût derrière. Donc c'est là que c'est plus compliqué. Après très clairement la pratique évolue énormément aujourd'hui et je pense que ce qui est encore de l'ordre de la négociation sera de l'évidence dans quelques années si on fait bien notre travail. On a déjà une bonne vue du territoire avant d'avoir des premiers échanges avec les habitants. Par contre, les échanges avec les acteurs, on les a très rapidement. Je ne sais pas si c'est suffisamment complet. Je pense qu'avoir un échange avec les habitants apporte un autre regard. On l'a, hein, mais pas en amont de la mission. Par contre, oui, avec les acteurs, on l'a suffisamment bien, je trouve, en démarrage de mission. Oui, pour la première, géographie, prend géographie physique humaine, c'est un préalable, c'est la base du diagnostic. Sur la concertation, co-construction, oui, parce qu'on travaille avec l'air public, sur des formules dédiées où on est vraiment à essayer de soit
avoir des formats de type atelier, atelier élu, atelier technicien, atelier partenaire de type commerçant, pour vraiment essayer de comprendre ce qu'ils vivent et ce qu'ils projettent, ou soit un format autour des habitants. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à comprendre comment ils se positionnent, est-ce qu'ils sont attachés au lieu, comment ils voient ce lieu, et comment ils peuvent aussi, finalement, contrebalancer une vision techniciste qu'on pourrait avoir inconsciemment même, et nous donner, en fait, la... Voilà, c'est un peu les prismes du réel, comme dirait République, mais voilà, il y a cette tendance à aller au plus près du quotidien pour ne pas taper à côté, en fait. Il y a des thématiques sur lesquelles on a fait un peu le tour du sujet depuis un moment, parce qu'il y a beaucoup de territoires où il y a déjà eu beaucoup de diagnostics. Donc finalement, ce n'est pas qu'elles prennent trop de place, c'est qu'aujourd'hui, il y a peut-être des thématiques qui devraient prendre plus de place, qui sont aujourd'hui des sujets dont il faudrait se saisir de manière urgente. Et c'est celle-là qui devrait prendre toute la place, et que du coup, on perd du temps sur certaines dimensions. Alors, ce n'est même pas des thématiques, c'est certaines dimensions, même, j'allais dire, comme la dimension statistique de notre métier qui prend une place qui est aujourd'hui énorme. Alors que quand on commence à regarder sérieusement de quoi sont faites les statistiques, très rapidement, on prend un peu peur. Et c'est ça aussi qui est intéressant de travailler dans des territoires divers, comme dans des territoires d'outre-mer, parce que justement, cette dimension statistique, très rapidement, elle vole en éclats. Et du coup, on est obligé, et les acteurs qui prennent part au projet, ils sont obligés de toute façon de faire autre chose que de s'attacher à nous demander de toujours plus aller fouiller dans des données statistiques et de tordre les chiffres pour finalement arriver à une conclusion qui est que il va falloir recommencer parce que les chiffres datent d'il y a 3 ans. Quoi. Je pense que ce qui prend de la place, c'est pas une problématique. Ce qui prend la place, c'est qu'on passe notre temps à gratter, à faire du papier, parce qu'à un moment donné, il y a eu. Quand on fait un PLU, par exemple, on fait un rapport de présentation, 500 pages d'écriture, de justification, il faut développer. Un document qui va être lu globalement dans son intégralité par 3 personnes. Voilà. Et ça, en fait, le cœur du métier, c'est d'écrire des justifications. Alors, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé jusque-là. C'est qu'à un moment donné, on était dans un système où on demandait aux acteurs du territoire de réfléchir, de faire des propositions. C'était plus ou moins pas fait. Et en fait, le fait de mettre une contrainte d'écriture, ça doit pousser à réfléchir en amont. Bon, c'est un peu dommage d'en arriver c'est dommage d'en être arrivé à ce stade-là et d'être poussé à un paroxysme où on passe notre temps à nous justifier, non pas à réfléchir à un projet. C'est dur à dire. J'imagine qu'un document de planification, il est tout le temps plus technique qu'il ne le faudrait. À chaque fois que je le rédige, je me fais cette réflexion, puisqu'il est censé être lisible pour tous. Par exemple, dans un diagnostic, on retrouve peut-être toutes les thématiques, mais est-ce qu'elles sont réellement accessibles en termes de lecture, de compréhension? Est-ce que c'est pas trop technique? C'est difficile à dire. On a beau être pédagogue et essayer de vulgariser au maximum, ça reste vulgarisé peut-être à notre échelle et pas à celle de tout le monde. À mon sens, parfois, nos maîtrises d'ouvrage perdent le fil de la discussion parce qu'en fait, elles se concentrent sur certaines problématiques très précises, certains sujets qui vont cristalliser en fait les sujets. On a tous l'exemple d'une personne qui va remettre en cause les chiffres de l'INSEE. Et finalement, c'est assez dommage parce que déjà, on peut s'en affranchir, puis on peut les discuter. Justement, ça doit être une base de discussion, mais pour moi, il ne faut pas que ça arrête le débat, ça fige trop le débat et finalement, ça ne nous permet pas d'avancer sur le fond du sujet. On se fige sur des thématiques ou des sujets qui n'ont aucun volet stratégique, aucune dimension stratégique et qu'on perd du temps sans savoir vraiment pourquoi on s'attarde dessus. Parfois, on a besoin de faire une monographie de territoire qui rassure finalement, qui montre qu'on a bien compris
de quoi on parlait, mais qui en fait n'a aucun intérêt, à mon sens. Je pense que par contre, parfois, on s'astreint à vouloir vraiment traiter tout. Et c'est là où, du coup, on perd la stratégie. Des fois, on s'astreint à vouloir traiter toutes les thématiques possibles et de manière approfondie, ce qui nous empêche de voir l'essentiel et ce qui est vraiment important à traiter pour accompagner le territoire. Moi, j'ai envie de dire qu'on a une réglementation qui, chemin faisant, depuis que j'ai commencé à travailler, on a le côté juridique qui a une importance. On a une peur bleue du tribunal. Tous les élus le disent, moi je veux un document qui soit sûr juridiquement, je ne veux pas avoir de problème. Alors ça c'est l'expérience aussi, on a de plus en plus d'associations qui sont montées à un niveau, qui sont en capacité d'attaquer des documents, des gens qui ont la connaissance, y compris des confrères à nous qui habitent le territoire et qui peuvent jouer dans le cadre d'une association, etc. Parce que ce qui se passe chez eux, ils ne veulent pas le voir ce qu'ils ont fait ailleurs, hein, ça existe, je le vois très bien. Mais j'ai envie de dire ce côté du côté judiciaire, le côté sécurité juridique. Et j'ai souvent envie de dire aux élus, attendez, on y viendra, la sécurité juridique, mais ça n'empêche pas de réfléchir et d'être intelligent avant. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des sujets qui prennent trop de place. Je pense qu'il y a des sujets qui ne sont pas abordés de la bonne manière. C'est autre chose. C'est-à-dire que tout ce qui est développement économique, développement de l'habitat, c'est les sujets les prédominants sur les sujets de planification. C'est... le cheval de bataille, c'est dès la deuxième réunion, on veut déjà savoir combien on aura de surface à bâtir pour chacune des communes dans l'arrondissement. L'enjeu aujourd'hui, il n'est plus là, il ne se pose plus de cette manière-là. Et un de nos gros enjeux, de nos gros défis en tant qu'urbaniste, que professionnel d'aménagement du territoire, c'est de les amener à se positionner différemment sur ces sujets-là et alors ouvrir les yeux sur les autres enjeux qui sont possibles en domaine d'aménagement et d'urbanisme, au-delà de ce prisme uniquement foncier et développement, extension des territoires bâtis. À la pression foncière actuellement, c'est-à-dire qu'il y a des prix de foncier qui sont extrêmement élevés, qui impliquent que, pour un promoteur par exemple, ils vont vouloir construire toujours plus, sûrement toujours plus rentable, c'est-à-dire toujours plus petit, sans prendre en compte, je veux dire, l'acteur public, lui, sa volonté, c'est pas de construire beaucoup et petit. Lui, il veut construire quelque chose de vivable pour ses administrés, il veut quelque chose qui ait du sens. Et sauf que le fait de vendre quelque chose très cher, ça implique une déresponsabilisation, pardon, pour moi, du promoteur sur l'acte de bâtir. Non, tout sauf ça. C'est tout le problème de notre exercice, c'est qu'en fait, entre ce qu'on doit faire et ce qu'on nous demande de faire via le code de l'urbanisme et le code de l'environnement, qui sont quand même les bibles chez nous, parce qu'on a un risque de contentieux qui est significatif, finalement, on vit avec cette épée de Damoclès pendant 3 ans. On se colle au code de l'urbanisme, et il est absolument pas configuré pour nos enjeux contemporains. L'élément le plus factuel, par exemple, c'est l'enjeu d'objectifs de limitation de la consommation d'espace, qui est quand même, on va dire, un enjeu central. La manière, ne serait-ce dont c'est formulé, ça donne de la légitimité à l'acte de consommer. Et puis, est-ce que le mot consommer a encore un sens dans nos sociétés où on est censé quand même se réinterroger sur nos manières de consommer, ou en tout cas de vivre, d'acquérir, de partager, etc. Donc non, il est... Je ne vais pas dire qu'il est désuet, je n'oserais pas dire ça parce que c'est très prétentieux, mais en tout cas, il ne nous permet pas un exercice plein et il nous permet pas, rarement de sortir des codes. Et c'est ça dont on aurait besoin pour faire émerger autre chose sur les territoires. Et ça conduit à des documents qui sont très similaires, en fait. Malheureusement, ça conduit à une généralisation, à une banalisation des documents d'urbanisme. Non. Fondamentalement, je dirais que non, parce que... parce que, en fait, on se coupe un petit peu. Alors là, c'est toujours pareil, je reprends un peu la sphère plus du bâtiment parce que c'est là où moi j'ai énormément de retours d'expérience. C'est-à-dire qu'on suit, nous, les bâtiments après leur livraison et on est un petit peu au contact des usagers. Et on se rend bien compte que souvent, on livre des choses qui ne sont pas adaptées au mode de vie actuel, à ce que les gens ont envie d'avoir. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce que construire quelque chose qui coûte cher à tout le monde, mais qui au final ne répond pas à la question posée, ça n'a pas de sens. Moi, je dis souvent aux élus, est-ce que vous avez envie d'y habiter dans ce quartier qu'on est en train de créer ?
C'est la bonne question. Hein. Dire le jour où il y a quelque chose à vendre, est-ce que vous y habitez? Et la dernière fois, j'étais avec un maire qui me disait, moi, je ne veux pas de ce dessin de DOAP, pour être technique, de schéma d'aménagement, parce que moi, je n'ai pas envie d'y habiter derrière. Et moi, je pense que ça, c'est la bonne réflexion. Alors, il faut faire attention aussi de ne pas tomber dans l'excès inverse, parce qu'on peut avoir aussi chacun. Mais j'ai envie de dire, il faut se poser aussi les élus, il faut se poser le document que l'on projette, la façon que l'on... Est-ce que c'est le territoire que l'on veut? Et ça, c'est compliqué. Et une nouvelle fois, je reviens à la case avant, l'arbitrage entre la loi nationale qui est, elle, c'est un tsunami, hein, elle arrive, elle est partout, elle arrive. On imagine, on n'a aucune connaissance des réalités locales et nous, on arrive derrière. C'est quand même, ça fait partie de notre métier de conseiller les collectivités sur cette application de cette loi, dire de faire attention, de mettre des garde-fous. Mais à un moment, j'ai envie de dire, l'essence, c'est qu'on a envie d'y habiter, envie de faire. Est-ce qu'on fait, bien, c'est est-ce que je le ferais si c'était pour moi? Ben, je dirais qu'on fait de notre mieux. ça ne veut pas dire qu'on réussit. Après... On dira toujours que le diagnostic, on le co-construit, on ne le fait pas tout seul, on le fait pas, on n'est pas des techniciens qui étudions l'INSEE, et on ressort des chiffres et on fait aussi du terrain, on discute avec les élus, on discute avec les techniciens, donc ce n'est pas un travail qui est, je pense, totalement déconnecté. En revanche, il est déconnecté de certains... Enfin, j'imagine qu'un habitant qui, lui, est à l'échelle de sa propre maison, et je caricature et je grossis les traits, évidemment, mais à l'échelle de sa propre maison, sa propre parcelle, peut-être que tout un diagnostic, c'est trop pour lui, et peut-être que parfois, il faudrait resserrer sur des enjeux plus... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Plus... pas basique, mais moins généraux. Je pense que oui, parce qu'en fait, je pense que oui, préoccupation, et moi j'ai le mot environnemental qui me vient derrière, préoccupation environnementale. Je pense que c'est un cap qui a été passé depuis un certain moment, mais finalement, l'urbain, on le voit, il y a la géographie, il y a l'humain, il y a l'économie, il y a le politique, mais finalement, tout ce qui rassemble tous ces éléments-là, c'est potentiellement la notion d'environnement. Finalement, l'environnement, ce n'est pas que de la biodiversité. C'est aussi une question de santé, de bien-être, d'égalité. Et du coup, c'est ce qu'on essaye de prôner, nous, dans nos projets. C'est essayer de voir, beaucoup plus large, d'élargir la focale. Je pense qu'il y a comme je le disais, il y a la prise de conscience donc, qui fait que pour les gens, c'est de plus en plus important aussi de prendre en compte l'environnement, d'habiter dans un territoire qui est en phase avec son environnement, parce que aussi ça touche finalement à la santé derrière. Donc je pense que ça, c'est de plus en plus prégnant. Maintenant, je pense aussi que selon les territoires, ce n'est pas la préoccupation première, et je peux l'entendre. Quand on intervient sur des territoires où on a des problématiques sociales importantes, qu'il y a de la fracture sociale, je peux comprendre que l'environnement, ce ne soit pas la priorité et que ce soit l'humain qu'on mette au cœur de la stratégie. Et vraiment, c'est tout à fait normal et c'est humain, pour le coup. Je pense que ça dépend, des territoires. On a un peu une posture parfois de médecin, c'est-à-dire que les gens, entre le problème qu'ils ont et le traitement qu'ils imaginent, il y a un delta. Et toi, tu as l'impression de connaître la bonne réponse et de dire aux gens, mais peut-être que si on piétonnisait la rue qui était à côté de chez vous et qu'au lieu de faire 5 km en voiture, vous preniez votre vélo, vous alliez à pied, on gagnerait beaucoup en confort de vie. Et donc, en fait, les gens sont d'accord sur le constat, tu vois, de qu'est-ce que c'est mal habiter, mal vivre, mais sur les solutions, c'est là qu'on rentre en conflit et qu'il faut arriver à négocier.